Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Nabil soutient Ayem qui est bloqué depuis plus de 10 jours au Maroc avec son fils. Puisque Vincent Miclet, son ex-mari, a confisqué le passeport de son fils, donc, il trouve ça très très grave. Il balance aussi que Vincent Miclet paye beaucoup d'argent des blogueurs. Donc on sait très bien qu'il parle de Marc Blatta et de Nadé Blatta. Je vous laisse avec sa story. Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. Pour commencer, bonjour Moura, bon vendredi à tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à Vincent Miclet et Ayem. J'en ai pas trop parlé parce que les histoires de couple en général, il y a des enfants au milieu, c'est pas trop ma tasse de thé. Néanmoins, j'ai vraiment reçu énormément de messages à ce sujet. Donc très rapidement, il n'y a pas d'enlèvement ici au Maroc. Quand il s'agit de la mère, ça n'existe pas. Si demain Vincent Miclet, il va porter plainte en disant oui, mon enfant a été enlevé à l'école, sa maman est venue le chercher, ils vont lui dire va jouer au bi, pars-toi. Parce que c'est sa maman, et c'est la maman qui a les pleins, enfin, avant même le papa, qui a les pleins pouvoirs sur l'enfant. Franchement, je trouve ça déplorable et scandaleux qu'un grand monsieur comme Vincent Miclet se rabaisse à ça sur les réseaux sociaux. D'autant plus. De ce que j'ai compris, il les bloque au Maroc, puisque c'est lui qui a le passeport du fils d'Ayem. Et donc, il porte préjudice à son fils, ce qui montre bien que c'est une guerre entre Ayem et Vincent, et que l'enfant est un dommage collatéral, et que ça a pas trop l'air il a pas trop l'air de s'en soucier, quoi, puisque de ce que j'ai compris, ils sont toujours bloqués au Maroc. Ensuite, et pour finir, j'ai reçu quelques messages de personnes qui me disent « Nabil a été payé par Vincent Miclet pour ne pas agir, pour ne pas en parler ». Alors, pas du tout, sachez que en effet, Vincent Miclet paye très très bien certains blogueurs, mais que je n'en fais pas partie. J'ai jamais pris un euro de Vincent, comme ça vous le savez.